Et salut tout le monde, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5, je crois, de Yo-Kai Watch. 4 ou 5, je sais plus. Et on avait fini une mission qui était de réparer tous les sceaux. Et là, c'était le lendemain. Et on commence tout de suite. Alors. Bien le bonjour, Nathan. Faut aller se laver, s'habiller et se brosser les dents. Tu dormais à point, frère, à point fermé. Tu avais bien mérité une bonne nuit de sommeil. Tu as été génial hier. Oui, ce triptyque était vraiment fort. Tu imagines si un autre puissant yokai s'était pointé? Tu sais, Nathan, le souci n'est souvent qu'un gâchis d'énergie. Mais pas dans notre cas. Il nous faut des yokai plus puissants. Plus un yokai est puissant, plus il est doué pour se camoufler. Tu dois améliorer ta yokai. Kai Watch, si tu veux te trouver des amis plus puissants. On devrait se concentrer là-dessus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. Comment on fait pour améliorer la Yo-Kai Watch? Commençons par aller voir l'horloger. Je sens... Je vais recadrer un petit peu... Oh là! Bon, j'ai un peu loupé le dialogue, c'est pas grave. La famille du gérant s'occupe des Yo-Kai depuis plusieurs générations. En fait, cette famille a inventé la Yo-Kai Watch. Alors je pense qu'ils sont plus que qualifiés pour améliorer la tienne. Ouah, trop fort, allons-y. D'accord, au fil du temps, on arrive. Je me souviens d'avoir vu cet endroit du côté de la gare du coteau fleuri. Ok, alors apparemment il va falloir améliorer la Yo-Kai Watch au fil du temps. Va au fil de du temps. Ah, c'est quoi ça? C'est le médaillium des yokai. Veux-tu échanger des médaillium yokai de ton équipe? Non. C'est pour échanger des yokai apparemment. Hop. Bon, tant mieux si on peut changer des yokai. Aujourd'hui, on parle pas à maman. Ciao. On sort direct. Et apparemment, faut trouver le fil du temps. Heureusement, c'est indiqué sur la carte car la map est assez grande. Oh la mince, j'ai couru trop longtemps et je suis fatigué. Ah oui, c'est vrai, lui, il fallait que je lui donne un truc, un soda des âmes. Quelle voix je lui avais fait déjà? Oh, serait-ce un thé de l'âme pour le bon vieux grand appétit? Oui. Allez, allez, donne-lui. Oh, on t'a ramené ce que tu voulais, un thé de l'âme? Thé de l'âme. Oh, quel enfant adorable tu es. Rien ne me vaut un bon thé de l'âme. Tu as promis, arrête de donner faim comme ça. Il reste encore un peu de place, j'ai envie de pain au curry. Quoi? Tu veux encore autre chose? Je préparais ma blague, le goût du pain au curry n'est pas un incurirable. J'ai dit, ce n'est pas incurriable. Très bien, ne ris pas, j'apprécie mes blagues. Oui, c'était vraiment drôle, merci. Bon, j'arrête de te donner faim. Ah, mon estomac va mieux d'un coup. Parlons avec Mina. Ok, Mina. Hein? Je n'ai plus faim? C'est bizarre. Bah, peu importe. Merci pour ton aide. La meuf, elle se pose pas de questions. Bon, bah, j'ai plus faim. Je mourrais la dalle tout à l'heure, mais... Là, ça va. Alors, apparemment, on va avoir encore une scène bonus. Cool, de l'expérience. Ouais, c'est pas vraiment beaucoup, hein. Scène bonus. Jackpot. Qu'est-ce que j'ai gagné? Un exporb. Ok. Après tous ces exporbes là, ça sert à donner beaucoup d'expérience aux yokai. Je préfère les garder pour l'instant. Voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit aussi, j'expérais mes yokai en dehors de la caméra parce que je pense que c'est pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante pour moi, pour les let's plays, je pense que c'est tout ce qui est niveau aventure et tout ça. Après, si vous voulez que je vous fasse, que je vous montre l'expérience en combat et tout ça, il n'y a pas de problème, hein, je peux le faire.
Voilà, mais pour moi, je pense que le let's play sera surtout au niveau de l'aventure et tout. Voilà, apparemment, c'est par là-bas. Après, tout ce qui est récolte d'objets et tout ça, je pense que c'était pas très très intéressant. Donc, je le ferai hors caméra. Ah, chanfleurie. On peut changer la caméra là aussi, c'est vrai que... J'ai complètement oublié cette fonction. Chanfleurie. Mais c'est sympa comme endroit. Oh mon dieu, il y a des enfants. Il y a un vieux manoir derrière ces bambous. Ma mère m'a dit que je n'ai pas le droit d'y aller. C'est trop dangereux. Ok, il y a un manoir. Qui dit manoir, dit maison hantée, tout ça. Hop, j'essaye de bien cadrer. Voilà. Apparemment, il n'y a pas de voiture sur cette route. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. C'est indiqué, mais... Oh là là, mais c'est méga loin. Ah, il y avait quelque chose là, je crois. Non? Il n'y a rien ici. Apparemment, on peut trouver des yokai ou des insectes, je sais pas. Oui, c'est par là. Désolé si je cadre mal. C'est un petit peu chaud quand même. Ah, ben c'est là. Au fil du temps. Bienvenue au fil du temps. Je suis Finemon Bellevue. Puis-je vous aider? Eh bien, j'avais quelques questions à propos de cet objet. Pas de problème. Voyons voir ce que nous avons à faire. Oh, tu as ta propre Yokai Watch. C'est un très beau modèle. Qui est ce petit Yokai qui t'a amené jusqu'ici? Je suis Whisper, valet de l'extrême, à votre service. Une seconde. Vous pouvez le voir? Évidemment que je le vois. Laisse-moi te dire un secret. Je suis un yokai. Certains yokai comme lui prennent une forme humaine et vivent comme tel. Oh, je ne le savais pas. Peu de gens ont des yokai watch par ici. Peut-être que je peux t'aider. J'aimerais devenir ami avec des yokai plus puissants. Je vois, je vois. Donc tu veux une amélioration complète, c'est ça? Ce serait avec plaisir. J'ai rarement l'occasion de travailler sur ces beautés. Malgré tout, il va me falloir quelques pièces particulières pour l'améliorer. Voyons voir. Il me faut une roue, une vis et un ressort de montre. Je vais passer un coup de fil à l'atelier du vélo, tu pourras y récupérer la vis. Je pense que la roue se trouve dans le vieux manoir. Quant au ressort, il doit y en avoir un à l'auberge des voyageurs. Je pense qu'il y a un yokai dans ce nounours. Regardez, il bouge. Je peux... Non, je peux pas le bouger avec lui. Non, je peux pas. Ah, si, peut-être. Je suis bête. Voilà. Tu as trouvé Jacasseur. On l'avait pas déjà rencontré, lui? Ah, si, je l'ai rencontré, mais hors caméra. Je l'ai trouvé dans la forêt ancestrale, je crois. Non, ça fait la voix un peu trop de whisper. Dis, est-ce que c'est calme par ici, non? Au fil du temps, c'est plutôt au fil du nom, haha, t'as compris? Non, tu trouves pas ça drôle? Peu importe, t'es pas drôle non plus. Puisque tu es ici, ça te dit d'entendre les ragots de Coteau Fleuri? Ouais, allez. Tu sais ce qui se cache au nord du Coteau Fleuri? Il y a un temple tout en haut de ses marches, le temple de la voix. Va jusqu'à la grande statue et tu trouveras Monsieur Zen dans les parages. Bon, dit comme ça, c'est sûr, c'est pas très très intéressant. Mais il se trouve que Monsieur Zen a des pouvoirs extraordinaires. Oui, extraordinaires. Il sait prendre deux choses pour les combiner en une seule. C'est ce qu'ils appellent la fusion. Il paraît même que tu peux combiner deux yokai pour en créer un nouveau. Plutôt étrange, non? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce temple? Monsieur Zen? Plutôt Monsieur Louche? Haha, t'as compris? C'était vraiment pas drôle. Je suis si désolé d'avoir essayé d'être drôle. Ta yokai watch affiche sur le rang de affiche le rang d'un yokai par exemple un E, un D, un C. Les rangs watch sont universels, alors les portes closes en dépendent aussi. Tu as vu ces portes, non? Cette chose s'appelle le verrou yokai watch.
Si ton rang Yokai Watch est identique ou plus élevé que le verrou Watch, le verrou Yokai Watch disparaîtra et tu pourras traverser la porte. Si tu traverses un verrou Yokai Watch de haut rang, tu trouveras... Oh, je ne vais pas te gâcher la surprise quand même. Je te laisse le découvrir. Bref. Oh la vache, c'était chiant. Pourquoi tu m'as parlé longtemps, toi? Ah ouais, d'accord. Est-ce que je peux aller là? Non, même pas. Mais on va enlever ses chaussures. Bon, allez. Il faut trouver la vis, la roue et je sais plus quoi d'autre. Ok, il y a trois endroits à visiter. La boutique de vélo, déjà. C'est pas là? Il y a des vélos, là. Bon, enfin, bref. Ah ben non, c'est là. C'était pas très très loin. Salut, je viens du magasin au fil du temps. Ah oui, bonjour. C'est toi que Monsieur Bellevue a envoyé? Il nous a appelé pour nous prévenir que tu passerais récupérer une vis. Oui, c'est bien moi. Et voilà, c'est une pièce rare. C'est difficile de mettre la main dessus. Ne la perds pas en chemin. Obtenu, vis de montre. Je pense que c'était l'objet le plus facile à récupérer. Bon, ben c'est tout. Tu me donnes pas un vélo? Je dois beaucoup au patron d'au fil du temps. Salue-le de ma part. D'accord, non, en fait, pas de vélo. Peut-être pour plus tard, mais là... C'est quand même un peu dangereux, le train en plein milieu. Ok, les deux autres endroits sont apparemment à proximité l'un de l'autre. Il faudrait que je monte un petit peu. Ah, déjà, il y en a un ici. Voilà, ici. Hé, hey, toi, je parie que tu t'appelles Nathan. Je le prie, hein. Stéréotype de ouf. Comment vous connaissez mon nom? Ah, le vieux filou. Je crois que je lui ai changé son accent en plus. Le vieux filou, au fil du temps, m'a appelé. Il m'a tout raconté. Tu voulais récupérer un truc avec l'autre? Truc, non? Tiens, prends-le. Stéréotype de ouf. Ah, oh, putain, le cliché. Je sens que tu es quelqu'un de bien petit. C'est comme si je voyais ton visage à quel point tu aimes les yokai. J'ai une idée, cet endroit est l'auberge des voyageurs. C'est un endroit calme où les yokai d'autres villes aiment traîner. Mais il y a un hic, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'auberge. Je suis pas très doué pour ces choses, tu sais. Vu ta passion pour les yokai, je suis sûr que le boulot est fait pour toi. En plus, c'est super tranquille. Je te dis ça alors que je suis le gérant, mon frère. Tu devrais rendre visite à ces yokai voyageurs un de ces jours. C'est pas pressé, tiens-moi au courant si jamais le poste t'intéresse. Les yokai errants vont visiter l'auberge des voyageurs. Les yokai errants sont des yokai qui visitent Grand Val-sur-Mer via Street Pass. Ok, c'est avec les autres yokai des autres joueurs apparemment. Quand un yokai errant apparaît, il se rend à l'auberge des voyageurs. Si un yokai errant est là, tu verras une icône près de la porte. Si tu parles à un yokai, tu obtiendras peut-être un cadeau ou un combat. Parfois, les yokai errants voudront devenir tes amis après un combat. Mais les yokai légendaires, rares ou de rang S ne deviendront pas tes amis. Utilise Street Pass autant que possible afin de rencontrer des yokai errants. D'accord. Ça peut être intéressant. Ce système-là, franchement, c'est très très bien pensé. Ils ont vraiment bien géré leur affaire, Yokai Watch. C'est un concept assez original. Ils auraient dû faire à peu près la même chose pour Pokémon. Genre, je sais pas... T'as un Pokémon dans ta version que tu ne peux pas avoir, ou certains Pokémon assez difficiles à attraper. Tu vas vers Street Pass, et je sais pas, dans la zone où tu te trouves actuellement, tu vas dans les hautes herbes, t'as plus de chances d'en capturer ou d'en voir apparaître. Et ce système-là, franchement, c'est assez original, et il fallait y penser, en fait. Cet endroit, je le connais pas. Non, je disais, j'avais déjà visité, mais non, c'est pas possible. Ok, Oh, il y a un truc, là. De la mélasse. Je m'en suis jamais servi de la mélasse. Encore de la mélasse. Ah mais non, si, je m'en suis servi, je suis bête. Oui, ça ajoute un peu plus de chance pour... Ah ben là, il y a un rang S. C'est ça, la porte Watch, là. Ok, passons par là. Je crois que c'est ça, le manoir. Drôle d'endroit pour récupérer une roue de montre. Oh, tu sais, un endroit comme celui-ci doit regorger d'antiquités. Sinon, je suis sûr, c'est qu'il y a des tonnes de yokai qui traînent par ici. Trouvons cette roue. Ok, qui dit yokai, dit combat. Et je vais en faire quelques-uns quand même, parce que, mis à part les combats de... Enfin, épique, je disais. Les combats suivant l'histoire,
On n'en fait pas tant que ça. On dirait que c'est une impasse. Je jetterais un autre coup d'œil à ce mur si j'étais toi. Non, mais franchement, plus suspect que ce mur, il n'y a pas. J'avoue. Ah, là, il y a un rendé et je ne suis pas rendé. Ok. Ok, c'est une... Il est coincé de l'autre côté? Non, c'est un fantôme, je suis bête. Est-ce qu'il y a des yokai ici? Bon, je passe par là. Hop là. C'est sympa qu'ils aient fait des petits donjons comme ça. Ok, d'autres yokai, on va voir ce que c'est. Je sors mon stylet. Ah non, il était déjà sorti. Paparès et Morvobec. Très bien, ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'était cible, salut de milieu, voilà, un objet. Ça, donné à l'ennemi, voilà, espérons qu'il aime. Ça peut aller, oh non mince, il a pas aimé. Un ultime de Cigalopin, tac, 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 tac. Ces yokai n'ont pas l'air très 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 forts. Vous voyez, un coup de Cigalopin, ils sont KO. 29 de... Mais j'ai l'impression que le chien, il augmente pas. Il augmente pas de niveau. Ou alors c'est moi, oui. Ah, mais il va devenir notre ami. Papa, reste, approche. Quelle loi J'adore que ça dure longtemps, mais on pourrait devenir amis. Peut-être lié d'amitié avec Paparès. Oui. Paparès, démotivation. Ouais, non, il a pas du tout la même voix que lui a attribué. Mais ce n'est pas grave. Je sais pas, je verrai à peu près s'il est potable ce yokai. Non, pas de nom, blablabla. Allez, 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 allez. Un nouveau yokai, blablabla. Allez, 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 allez. Je me demande combien il y en a, je sais pas. Il doit y en avoir une centaine à peu près, je pense. Première série, je pense qu'il doit faire une centaine de yokai. Deuxième série, pareil. Bon, là, on peut pas passer. Ah, mais d'accord, on revient à la salle du début. Alors, on repasse par là. J'ai l'impression que la 3DS n'est pas droite, mais en fait, non, c'est la caméra qui ne l'est pas. Hop. Ok. Non, je l'ai déjà, donc... Essayons de voir un petit peu des yokai variés. Là, il n'y a rien. J'ai vu qu'il y a des boîtes de l'autre côté, c'est vraiment... Pas mal. Oh, dans le grenier. Alors. Voilà. Là. Ben c'est, je crois que c'est un oiseau encore, un Morvobec. Un Morvobec, deux Morvobec et un Tortico. Ok, on va le cibler le Tortico. Tac. On va lui donner un objet. On va lui donner un hamburger. Voilà, un hamburger. Est-ce qu'il va aimer? Pas mal du tout. Ok, un ultime de lui. Tac, 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 tac. Bah vas-y. Mais qu'est-ce qu'il... Ah mais il est envoûté, c'est pour ça. Mince. Mais depuis quand il est envoûté, lui? C'est pour ça qu'il monte pas beaucoup de niveau. Est-ce que je peux le désenvoûter là? Ou est-ce qu'il faut que j'attende le combat? Menu? Oh non, je vais attendre le combat parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Est-ce que... Oh non! Oh, j'ai cru que j'allais mourir. Ah mais je retourne dans la salle d'avant. Bon, allez, combat, on va purifier Glaglaçon là. En avant. Purifier, Je comprends pas là. Pourquoi il est... Je comprends pas. Le chien est tout le temps blasé, je sais pas. Oh, j'ai vu une orbe d'énergie là, je sais pas quoi. Cible. Tac. Je comprends pas pourquoi il monte pas beaucoup d'XP, le chien. Un ultime de ce... de Jibanyan. Hop, désolé pour le mauvais cadrage. Ah mais c'est abusé, le chien gagne que dalle en expérience.
Waouh. Bon, faut repasser par là du coup. Repasser par là. Repasser par là. Du coup, le yokai qu'on a envoyé de l'hamburger, que dalle, il n'est pas venu nous rejoindre. Rit dans une feuille. Oh, je l'ai échappé belle. Amulette de vieille. Amulette vieillotte. Ouais, bon, allez, combat. Un petit combat, ouais. En avant. Cible, toi, là. Voilà. Un objet. On va essayer de te donner. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Un soda. Est-ce qu'il aime? Pas mal du tout. Un ultime de cigalopin. Allez, on tourne, 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 on tourne. Voilà, normalement ça devrait être bon. Un seul coup, ça devrait tous les éliminer. Même pas, hein. Bon ben voilà. Pas eu besoin de faire d'autres almes ultimes. Eh ben c'est pas trop tôt, hein, Sigla Chihuahua-gla-gla, là. Niveau 12, niveau 12, 12, 12, 12. Et sauf Jibanyan qui est niveau 13. Ah ben voilà. Tortico t'approche. Pas trop mal, devenons amis. Oui. Tortico, Shanks s'est tendu. Elle a une voix que je reconnais un petit peu. Non, pas de nom, blablabla, blablabla. Allez. Voilà, ça fait toujours un yokai en plus. Blablabla, blablabla. Mais je trouve certains designs de yokai pas très très beaux, hein, finalement. Enfin, je veux dire, ils sont originaux et tout, mais au niveau des noms et tout ça, mais ils sont galères à retenir, et même, je veux dire, le physique est pas top, hein, je veux dire, à part Whisper, Jibanyan, un petit peu le chien que j'aime bien, voilà. Mais les autres, wow, j'ai du mal à m'y faire. Ou c'est moi, mais je sais pas. Bon, est-ce qu'il y a un autre chemin, là? Y a-t-il un autre chemin ou est-ce que je suis déjà perdu? Non, mais je voulais pas. Et dommage, on peut pas les quitter les combats. Faudra que j'entraîne un peu plus mes yokai maintenant que vu qu'ils sont à peu près du même niveau que moi, je pense. Voilà. Bon. Par où faut-il passer? Ah, mais je crois que j'ai fait un trou là-bas tout à l'heure. C'est peut-être par là qu'il faut tomber. Je suis bête. Eh oui, ça, on l'a pas visité tout à l'heure. Oh, des caisses, des caisses. Bracelet usé, mais ça, je l'ai déjà. Clé du vieux manoir. Ok, on va peut-être pouvoir ouvrir les portes. Je me demande à quoi sert cette clé. Peut-être que tu peux l'utiliser sur la porte près de l'entrée. Juste une idée comme ça. D'accord. Faut que je revienne un peu au début du coup. Ah, encore une salle que j'ai pas visitée. Ah non, je ressors dehors direct. C'est quoi cet endroit? Oh, le labyrinthe, sans déconner. Oh, il y a un katana. Pièce verte. Ah, on peut pas interagir avec. On peut rien faire. Je sens que la batterie de mon... Enfin, la batterie. Je veux dire, la mémoire de mon appareil photo va bientôt s'assurer. Donc, je vais le vider et on se retrouve tout de suite. Et donc, re les gens. Voilà pour la suite. Je suis allé vider la mémoire. Donc, on continue. Et c'était pas par là. Tiens, il y a un chemin, là. Ah, il y a une caisse. Super. Remède infect. J'en avais déjà récupéré de ça aussi. Oh! Super, on peut regarder s'il y a des insectes, des papillons. Alors, on va utiliser ça, 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 ça. On va voir si on peut l'avoir. Si on l'a pas, je suis vraiment trop deg. Mais là, quand même, c'était un petit peu abusé si on l'avait pas.
Macharon. Il n'y a plus rien ici. Autant les autres insectes étaient encore plus rares. Voilà. Bon, c'était pour histoire de dire, voilà, on a capturé des insectes. Est-ce qu'on peut ressortir par là au moins? J'ai pas l'impression. Mais elle est où la sortie? Ah bah elle est là, tout simplement. Ah mais oui, avec la clé, je suis bête. Du coup, il faut revenir là-dedans. Et là, c'était ici. Ou tout droit, je crois. Voilà, c'était ici. Tu as utilisé la vieille clé du manoir. Non, la clé du vieux manoir. La vieille clé du manoir. Oh, c'est qui? Un yokai spécial. Salut. Ce yokai doit être un peu trop stressé. C'est Baku! Elle détecte des cauchemars des gens. Ah, mais c'est une fille! Ah, mais il est trop laid, ce yokai. Mais putain, mais ils sont trop moches, ces yokai, sans déconner. Quand est-ce qu'on tombera sur de bons yokai trop beaux? Non, miam miam! Ah non, je lui fais la même voix que Whisper. Faut pas. Quelle voix je pourrais lui faire? On dirait qu'elle fait un cauchemar. Peut-être qu'elle devrait. Qu'on devrait la réveiller? Non! Un monstre comme toi ne mangerait pas Baku! C'est plutôt toi qui vas me bouffer, ouais, avec ta bouche géante. Ok. Oh, des Woko. Bon, je suppose que Baku, on va devenir ami avec elle, avec... j'ai failli dire lui. Avec elle. Je lui lance quoi, lui? Un soda. Ah, mais je peux pas lui balancer, mince. Bon, ben, elle m'ultime de lui. Voilà, un petit une petite protection. Et ensuite, je fais l'âme ultime de Cigalopin. Voilà. Oh, je me disais, c'est quand il veut. Ah, il en a mis un KO déjà. On peut faire l'âme ultime de lui. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Bon, après, on va essayer de purifier un yokai parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui était. Qui était dans. Oh mince, moi trop tard. Oh, j'espère qu'il va quand même un peu gagner d'XP. Oui, il en a gagné un tout petit peu. C'était Nampart. Tout va bien? Baku rêve pas? Désolé, j'imagine qu'on t'a réveillé un peu plus brutalement que prévu. Piou, Baku désoulagé. Baku remercie Baku beaucoup. Mauvais rêve. Baku fin de mon rêve. Yokai dégueulasse. Baku pense ton visage délicieux. Merci, je... Hein, quoi? Baku aime, Baku mange, mauvais rêve, bien pour toi, bien pour Baku. Ok, mais ne mange pas mon visage, s'il te plaît. Baku, mange pas visage. Visage délicieux quand même. D'accord, bon, c'était un petit peu prévisible, hein, lien d'amitié ou je sais pas. Baku. Très 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 moche yokai. Donnez à Baku un nom, blablabla, non, blabla, voilà, médanium. Un nouveau yokai. Baku mange tes rêves délicieux. Chose brillante contre amitié délicieuse. Je lui change sa voix tout le temps. Obtenu roue de montre. Oh bah c'est cool, c'est elle qu'il avait. Génial, c'est la roue. Je suis pratiquement sûr que c'est la roue que Phil nous a demandé. Baku ravi d'être ami avec Buffet. Buffet? S'il te plaît, ne me mange pas. Sérieusement. On se fait des amis dans des endroits assez bizarres, hein, Nathan? C'est comme on dit faire une pierre de yokai. Ou quelque chose comme ça.
Ok les amis, donc on va retourner voir Phil. Et dès qu'il aura amélioré notre Yo-Kai Watch, je pense qu'on va s'en arrêter là. Et qu'on se retrouvera pour l'épisode 6 ou 5, je ne sais plus. Je ne sais plus à combien j'en suis, sérieusement. Oh! Je crois que c'est 5, hein, je veux pas dire la bêtise. Ouais, je crois que c'est 5. Ou 4. Oh alors je sais plus. Je sais plus. Oui, c'était par là. Hop, voilà. Cadrage. Je compte aussi capturer certains yokai hors caméra. Dites-moi si vous préférez voir les captures en direct ou si ça vous est égal que je les capture par moi-même. Si je me souviens bien, c'était là, au fil du temps. Voilà. Eh, hey, pas mal, petit. On dirait bien que tu as tout ce qu'il faut. J'aimerais bien m'y mettre, mais bon, je n'ai plus trop la motivation. Je ne suis plus le même depuis que j'ai perdu mes sous-vêtements fétiches. Sans eux, je ne suis pas motivé. Tu pourrais les récupérer pour moi? Juste pour être sûr, vous voulez que je récupère vos sous-vêtements? Vous vous trouvez pas ça un peu bizarre? Mais non! J'ai appelé les sources chaudes de Grand Val sans succès. Bon, ce n'est pas si surprenant en fait. Ils m'ont demandé de passer après la fermeture. Mais je n'aime pas trop sortir de la nuit. Je n'aime pas trop sortir la nuit. Ne me demande pas pourquoi. Tu pourrais pas aller aux sources chaudes après la fermeture pour moi? Pour récupérer vos sous-vêtements? Je ne crois pas, non. Maman serait carrément furieuse si elle savait que je n'étais pas dans mon lit. C'est triste pour mes sous-vêtements. Si seulement Baku était dans le coin. Tu appelles Baku? Eh, dis donc, vous êtes déjà amis, ça vous facilite la tâche. Baku s'occupera de tes soucis sans problème. Comment ça? Baku peut se débarrasser de la fatigue, comme ça tu seras plein d'énergie. En plus, Baku peut se transformer et te remercier dans ton lit la nuit. Vraiment, c'est super. C'est du gâteau. Beau gâteau, délicieux, délicieux gâteau. Allez, rentrons et essayons ça tout de suite. Les dialogues, c'est un petit peu long par contre. Ouais, ça a marché, je ne suis plus fatigué du tout. Bon repas, Baku aurait pu être fatigué. C'est fantastique, Nathan. On peut explorer la ville pendant la nuit. Glissons-nous hors de la maison avant que tes parents ne s'en rendent compte. Grâce à Baku, tu peux maintenant sortir la nuit. Ok, voilà les amis. Donc c'est ce qui conclut cet épisode inconnu, 4, 5 ou 3, je sais plus. Il me semble que c'est 4 quand même. En tout cas, moi je vous remercie de l'avoir vu en entier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like pour me dire si ça vous a plu. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de partager pour ceux qui seraient intéressés par Yo-Kai Watch. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.